Le président vous estimait beaucoup, agent Kennedy. Vous aussi. Vous étiez amis depuis 30 ans. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que vous étiez seuls tous les deux avec lui au moment de sa mort? Qu'est-ce que vous insinuez? Eh bien, vous devez savoir que vous êtes tous les deux... des suspects dans cet attentat. Quoi? Agent Harper. Au moment de l'attentat, vous aviez quitté votre poste. Il était le président vulnérable. Admettez que c'est un comportement plutôt... suspect. Espèce d'enfoiré! C'est vous qui avez tout planifié! Est-ce que vous avez des preuves permettant d'étayer cette accusation ridicule? Je suis le conseiller à la sécurité nationale. Mon travail... est de prévenir les attentats, pas de les causer. Menteur! Elena! Si vous êtes... tous les deux convaincus de votre innocence, vous ne verrez pas d'inconvénient à venir vous rendre. Je vais le lui faire payer. Apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises. Moi, on est dans le même bateau. Ça fait de nous des partenaires. Ça te plaise ou non? Ça me va. Tant que tu veux, c'est Simmons. Tout ça appartient à Simmons? Ben, vu que son labo est juste au-dessus de nous, j'ai tendance à dire que oui. Alors cette Ada, on peut la croire? C'est très difficile à dire. Il y a un passif. Ah, comme c'est charmant. J'aurais dû faire une prière quand on était dans la cathédrale. Moi, les morts, je ne peux pas rester mort. Par là. À moins que tu veuilles jouer avec le feu. Bien. Trouvons un autre chemin. Il y a une inscription sur cette porte.
présenter une preuve de parenté. De parenté? Avec ce Simmons? Je n'ai pas de preuve. Et toi? Non, rien de ce genre. Je crois qu'ils en ont laissé par ici. Non. C'est la bague de Adam à deux. Bague? Qu'est-ce que t'as dit? Nickel. Merci pour ton aide, Ada. Il va falloir se mouiller. C'était quoi ça? J'aimerais bien tomber sur un endroit inondé d'eau chaude, juste une fois. Elena, passe par en haut. Huh!
Continue de tourner, ça marche! Ah! Elena! Elena, tu vas bien? Ça va, mais je suis de l'autre côté. Je vais te couvrir du mieux que je peux. Continue d'avancer. Regardez. Tu peux traverser ? On n'arrivera jamais à passer. C'est bon de les arrêter. Tout marche avec les manivelles. Il suffit de tuer ceux qui les tournent. Devine, y a pas de manivelle ici. Je vais chercher. Chercher ? On n'est même pas sûr qu'il y en ait une. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
enfin. On dirait qu'on va enfin pouvoir sortir. Allez, on continue. J'en ai marre des catacombes. Bienvenue au centre de la Terre. Je te le promets. On laissera pas Simone s'en tirer comme ça. Tant mieux. Si tu pouvais pas nous laisser partir. Merci pour ton aide, partenaire. Attention, je serai pas toujours là pour te sauver. Ah.
Désolé, ton poids dépasse la limite.
système de pont plutôt élaboré. Quelqu'un a vraiment réfléchi à tout ça. C'est vrai. Il doit donc y avoir une sortie. Suis-moi. Ah.
Pas de chance. Ah ! Elena ! Non ! Ok, je cherche où on peut grimper. Merci. Elena, j'ai besoin d'aide! Merci. Bien reçu. Thank you.
vite! Bien joué! Stérilise le secteur. Et il détruit toutes les preuves. Quelle ordure. Dieu merci, vous êtes vivant. Où est Simmons? Il est parti après vous avoir parlé. Il était pressé. Oh merde. Pour aller où? Il était au téléphone avec quelqu'un quand il est parti. Il avait l'air contrarié. Il y a moyen de savoir où il est allé? N'ayez crainte. Je l'ai fait suivre. En ce moment, il est en train de se diriger vers l'aéroport où son jet privé s'apprête à décoller pour la Chine. La Chine? Oui. Voilà, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle attaque bioterroriste. Le BSAA a confirmé qu'il s'agissait du même agent utilisé en Europe de l'Est il y a 6 mois, le virus C. Le virus C... On a vu ce genre de cocon, ici. Il faut qu'on arrête Simon, c'est qu'on le mette derrière les barreaux. Nous n'avons aucune preuve. Et là, maintenant, vous êtes tout en haut de leur liste de suspects. Non. Écoute, Hannigan, il faut que tu fasses croire qu'on est mort. C'est possible. Quoi? Oui, bien sûr. Mais ils finiront par s'en apercevoir. Vous allez faire quoi? On part pour la Chine.